as les fondements de ton cœur, les mauvaises pensées permettent au diable d'avoir accès à ta vie. Donc il y a des choses que vous devez éviter. Il ne faut pas nourrir des mauvaises choses dans le cœur. Quand ça ne va plus, il faut remettre ça à Dieu. Et lui, la meilleure manière de régler les problèmes, c'est de les remettre à Dieu. Lui, c'est très bien régler les problèmes. On dit amen. Amen. Ou bien amen. C'est très bien régler les problèmes. Amen. 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 Et il faut éviter de se venger. Salut, l'élément 4. Il faut éviter de se venger. Il y a des gens qui ont battu leur vie sur la jalousie, la haine. Quand il y a tous ces éléments-là, vous donnez accès. C'est-à-dire, le diable peut t'utiliser ou t'envoyer dans ta confrérie. Le fait que toi, tu as de la haine contre quelqu'un, le diable sait que tu peux t'utiliser. Parce que quand tu as la haine de quelqu'un, tu veux sa mort, n'est-ce pas? Tu veux sa mort. Donc, directement, le diable peut avoir accès à ton âme ou t'introduire dans une confrérie. C'est des choses qu'il ne va éviter. Amen. La jalousie. Le monsieur est béni, gloire à Dieu. Il faut apprendre à apprécier. Il y a des gens qui n'apprécient jamais. Ah, qu'est-ce qu'il a eu là? C'est ça la belle bénédiction. Ça, c'est les conneries. Ils ne savent jamais apprécier les choses. Amen. Toujours en train de mal parler des gens. Toujours. Il faut apprécier un jour. Tout ça, c'est important. Tu vois que quelqu'un n'apprécie pas trop, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il n'apprécie jamais. C'est lui qui trouve que non, c'est pas bon. Lui, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Celui qui apporte tout, c'est un sorcier. Vous voyez, un sorcier, il dit, c'est manger à rêve. Il y a des gens qui font pour la vis-à-vis. Il n'est pas tenté, va chercher de Dieu. Il n'est pas tenté, soit tu vas parler de toi. Critiquer. Tout cela, c'est des formes de sorcellerie. Amen. Amen. Je suis en train de enseigner, parler un peu de la sorcellerie. Au fur et à mesure, chaque fois. Le dimanche prochain, je vais aborder encore le sujet. Le mercredi prochain, je vais aborder un peu. Maintenant, comment les détruire? Je vais aborder ça tout ce mois-là. Et vous allez voir que toi, en tant que chrétien, tu auras la victoire chaque fois qu'un sorcier te lève contre toi, tu as le tuer. Amen. Amen. Je vous dirai, au cours de mon enseignement, il y a des jours dans la semaine, quand tu maîtrises ça pour détruire quelqu'un, ça passe. C'est une question de révélation. Au fur et à mesure, maintenant, je vais vous donner un coup, parce qu'on attend toujours d'aborder les mois les plus dangereux de l'année. Il faudrait que je vous équipe, que je vous donne des connaissances possibles. Moi, un sorcier se lève contre moi. C'est que toi-même, tu as dit que je t'attends. Le lit, tu commences à parler. Moi, je commence à arriver. Allez, je suis dans du vrai. Vous savez, quand tu es dans la vérité, tout ce que tu dis là marche. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et chacun va prier. Tu vas prier et demander au Seigneur de donner la victoire sur tes ennemis. Amen. En nous lisant le psaume 60. Le verset 14, il dit avec Dieu nous verrons les exploits et lui il écrasera nos ennemis. Il ne voudrait pas que tes ennemis aient raison sur toi. Alors demande à Dieu de donner la victoire sur tes ennemis. Prions ensemble, Seigneur. Par les prières, au nom de Dieu, tu vas déprogrammer. Si c'est la mort, que cela retourne dans les corps de Jésus. Nous prions ensemble, Seigneur.
verset 8 dit que Dieu gardera ton âme, il te gardera de tout mal, il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Dès maintenant jusqu'à jamais. Amen. Amen. Tu vas dire à l'Éternel de te garder, de te protéger, lui de faire d'assurer ta sécurité chaque jour durant tous ces 3 mois. Et là, va commencer à finir. Je chanterai de tout cœur.